comestible à éviter. En automne, les champignons s'invitent dans nos assiettes, mais attention aux confusions. La semaine dernière, une femme est décédée après avoir ingéré de mauvais spécimens, d'où l'intérêt pour les passionnés de cueillette de fréquenter les expositions mycologiques, de quoi éviter les erreurs. Ça, c'est curieux, ça. Ah oui, oui. Ça ressemble beaucoup au bolet de pain. C'est... Eh ben, je suis persuadée que nous en avons mangé. Il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des pièges mortels. À l'écoute de toute question, les sociétés mycologiques regrettent des comportements à risque. Trop sûrs d'eux, de nombreux cueilleurs ramassent sans connaître. C'est une série de champignons qu'on appelle des gyrocomus dans le groupe des bolets. Ils n'ont pas de grande valeur gustative. Ils ne sont pas toxiques. Il y a des champignons, je trouve que c'est bon. Mais mon mari m'a dit, non, je ne prends pas. Si tu veux le manger, tu signes un papier. Tu mouches ou phalloïdes, elles attirent l'œil et l'envie de les cueillir. Ne touchez pas aux amanites. Avec un chapeau qui est souvent verdâtre ou jaune. Et surtout, il y a une volve, c'est ce sac membraneux que l'on voit bien à la base du pied. Là. Il y a un anneau et des lames blanches. Voilà. C'est un champignon mortel qui attaque le foie de façon irrémédiable. Il n'y a pas de traitement à l'heure actuelle efficace. Vraiment. Donc il faut vraiment faire attention. Suite aux nombreux cas récents d'intoxication, l'Agence régionale de santé a lancé une alerte. D'accord. Pour la cueillette, mieux vaut emporter un guide sur les espèces de champignons. Il y en a 25 000 en France.